Et bien bonjour à tous et à tous, l'ami Wolf Poudre, ici présent pour vous faire un petit live sur Hot Rod Simulator 2, version solo bien sûr. Alors sans tarder, je vous propose tout de suite de poursuivre avec l'intro de la team Wolf Gaming. Et voilà, ça y est, c'est parti, nous sommes sur Euro Truck Simulator 2, l'ami Wolf Foudre, ici pour un petit épisode de Euro Truck Simulator 2, version solo bien sûr, pour une petite livraison qui est déjà en commande bien sûr. Alors j'ai plus qu'à recevoir, à aller chercher ma remorque, si elle veut bien y aller ce coup-ci. Parce que tout à l'heure, j'ai été au chômage forcé. Je sais pas pourquoi, mais elle ne voulait pas aller chercher ma remorque. J'étais au chômage forcé tout à l'heure. Eh bien, je me baladais, je travaillais sans travailler. Je me baladais, tout simplement. Alors là, je crois que c'est bon. Là, je vais aller chercher ma remorque. Ça y est, je suis parti pour aller chercher ma livraison. Et là, je crois que je vais aller à Pride, si je m'abuse, si ma mémoire est bonne. Alors, je suis à Dijon, bien sûr. Là, j'ai une belle. Un peu plus si je me tapais la voiture avec mon camion tout neuf. Là j'ai un Renault, le Renault Magnum. Et voilà, nous y sommes. Voilà. Donc là, offre de traction, voilà. Tac. Alors là, nous avons dit, ouais, Renault, Dijon, Berne, pardon. Prendre. Une mission, voilà. Ah bah voilà ça y est, nous y sommes. Allez, ça y est, c'est parti. J'ai attelé ma remorque, ça y est. Donc, ça y est, je suis parti. Ouais, ça y est. En essayant de ne pas se renverser, de ne pas faire comme tout à l'heure, bien sûr.
là, nous jouons sérieux pour une fois. Je dis bien pour une fois. C'est rare quand ça m'arrive, mais ça m'arrive. C'est extrêmement rare. Fusion, si tu m'entends, j'aimerais bien que tu me dises aussi quand est-ce qu'il sera l'heure pour arrêter le live, s'il te plaît, c'est gentil. Enfin bon, je vais faire la mission complète. Je vais ramener le, je vais faire la livraison et après j'arrête le live. Je vais faire la livraison directement, comme ça au moins ce sera fait. Je vais pas faire comme tout à l'heure, m'arrêter en plein milieu de la route. Parce que là, ça le fait pas. Pour un chauffeur de poids lourd, ça le fait pas. Moi, un chauffard de poids lourd, je dirais plutôt ça. Ouais, d'accord, je commence à être fatigué. Elle nous va bien. Question. Et est-ce que la marchandise va arriver à bonne destination, à bon port? Logiquement, oui, mais bon, on ne sait jamais. Il faut que je trouve un petit parking pour aller faire de l'eau. Je suis fatigué. Oui, je sais, je suis fatigué. Pour un peu de route que t'as fait, t'es déjà fatigué, t'as même pas fait 100 bandes, que t'es déjà fatigué. Mais qu'est-ce que c'est que ce chauffeur? Je vais te remplacer, moi. Tu vas prendre la porte, je le sens. Qu'est-ce que c'est que ce chauffeur? Il a même pas fait 100 km, qu'il est déjà fatigué. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais le virer, je le sens. Ah, les chauffeurs de maintenant, c'est plus sûr que c'était avant. Oui, je sais, je suis fatigué, mais pour ça, il faudrait que je puisse trouver un parking. Voilà. Je vais pas me poser en plein milieu de la route.
Et ça tombe toujours quand il faut pas. Je suis toujours fatigué quand il faut pas. C'est bien ça. Voilà, c'est chauffeur alors. Ça au plus chaud que c'était avant. Hein. Ça fait même pas 100 bornes que je suis fatigué. J'ai l'impression que je vais me prendre une amende encore. Ah, ça y est, je vois un parking. C'est bon. Allez. Moins 300 euros. Boum. Allez. Bien évidemment, ça pouvait pas attendre que je rentre dans le parking. Son dodo. Allez. Vous effectuez votre coupure. Allez, voilà, j'effectue ma coupure. Allez. Ma caméra encore effectuée sa coupure elle aussi. Ça c'est super. Ma caméra qui a effectué sa coupure elle aussi. Ouais, voilà. Ça c'est super. Quand j'ai ma caméra qui effectue sa coupure elle aussi. Bon. Tu aurais été fait tuer ta coupure toi aussi. Allez. Ça y est, j'ai ma caméra qui a fait tuer sa coupure. Eh ben nous voilà bien. Nous voilà bien. J'ai ma caméra qui a effectué sa coupure. Bon, et ben on va redémarrer ma caméra. Étant donné que ma caméra a effectué sa coupure elle aussi, c'était le temps pour elle d'effectuer sa coupure. Elle a été fatiguée elle aussi, donc elle a effectué sa coupure. Bon, voilà. Ma caméra était fatiguée, elle a effectué sa coupure. Vous voyez, maintenant, elle va pouvoir démarrer. Elle va pouvoir redémarrer. Étant donné qu'elle a effectué sa coupure, maintenant, elle va pouvoir redémarrer tranquillement. Elle était fatiguée, bon ben. C'est ça le truc. Et quand il y a une caméra qui est fatiguée, qui effectue sa coupure, et bien le problème qu'il y a, c'est qu'on est embêté pour continuer. Et voilà. Allez. Allez. T'es plus fatigué maintenant? Eh ben si. Oh, j'ai fait tuer ma coupure encore. Ah, c'est pas possible. Ça y est. Ah, ben, quand même. Bon. Bon, allez. Ça y est, je ne suis plus fatigué. Je peux reprendre le volant. Ah, ben quand même. Je reprends le volant et je reprends la route. Allez, j'ai effectué ma coupure, ma caméra aussi a effectué sa coupure, donc on peut repartir tranquillement. Voilà. Ah, les chauffeurs de maintenant et les caméras de maintenant, ça vaut pas ce que c'était avant. C'est ce qu'on dit toujours, hein.
Le vieux matériel vaut mieux que vaut des fois beaucoup mieux que le récent. Et les vieux chauffeurs sont beaucoup mieux que les récents aussi. Et toujours ce qu'on dit, mais ma foi, je sais pas si c'est vrai. Seul vous, cher viewer, pouvez me le dire. C'est comme l'ami Wolf Fusion qui malheureusement n'a pas pu être présent pendant le live. Hein. Qui m'a dit comme ça de vous envoyer le bonjour, cher viewer. Hein. Lui aussi, lui seul peut me le dire. Si les chauffeurs d'avant vaut mieux que maintenant. Si les vieux chauffeurs valent mieux que ceux de maintenant. Bon, il me reste 36 km. 36 km en 36 minutes, ça devrait être faisable. Je sais pas qu'est-ce qui a fait ce bruit, mais ça m'a fait peur. Ah voilà, je suis à Berne. Oui, je suis bientôt arrivé, je suis à Berne.
Ouais, une prune. J'ai loupé le feu rouge, c'est pas grave. Je suis arrivé, ça y est. Alors là, je ne sais pas s'il m'arrive, mais je crois que j'ai pris une mauvaise route. Il est bourré comme tous. Mais non, mais. Ah, ça y est. Oui, ça va. J'ai été un petit peu trop loin. C'est pas grave, j'ai été un petit peu trop loin. Et voilà, ça y est. En retard, bien évidemment. Alors que j'étais à l'heure, crétinus. Et voilà, chers viewers, ce sera donc la fin de l'épisode pour aujourd'hui. La suite, demain, même heure, même endroit. Alors n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, si la vidéo vous a plu, de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche pour pouvoir vous informer quand nous sommes en live. Allez, ciao, bye bye à tous, à la prochaine!